champêtre. Les personnes au-delà de 77 ans et plus sont invitées à venir déguster le petit cochon de lait grillé avec des frites. Repas convivial sous des tentes, au bord de, juste cette année au port. Les autres années, ça se passe sur l'hippodrome. C'est la cinquième année. Avant, c'était des voyages, mais on touchait moins de personnes. Il y a de l'animation, oui. Le monsieur est très, très bien. C'est sa troisième année, lui, qui vient. On se déguise, tout ça, c'est très, très bien. Nous organisons des transports. C'est-à-dire que 40 ans fait déjà 4 fois par semaine des transports pour les personnes âgées. 4 fois la semaine, le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi. On les transporte pour les courses. Et aujourd'hui, on a un véhicule supplémentaire que nous avons demandé à la Comcom pour pouvoir aller chercher d'autres personnes, puisqu'en tout, j'avais 37 personnes à transporter pour permettre à tout le monde de venir. Comme ça, personne n'est mis de côté. Il n'y a pas que le repas champêtre. Au mois de mars, nous organisons un goûter pour les grands-parents avec une pièce de théâtre qui leur sont offerts. Au mois d'octobre, un goûter d'automne. Et nous avons aussi, au mois de décembre, le repas des personnes isolées. C'est-à-dire que c'est les personnes qui vivent seules et qui n'ont malheureusement souvent pas de famille pour les fêtes de fin d'année. Donc, à la mi-décembre, nous organisons un réveillon pour ces personnes. À bientôt sur tevie.tv.